Bonjour, bonjour la team. Alors, aujourd'hui, voilà, mise à jour de Livetopia. Tranquille. Alors, je la publierai juste après avoir fait cette vidéo, car c'est quelque chose qui est un peu important quand même. Bon, je vais vous amener directement au premier truc. Vous avez déjà ces trous. Enfin, c'est le nouveau véhicule. Et voilà. Alors, ensuite, je vous épargne le reste. Je cherche des trucs. J'ai rien trouvé. Mais je suis arrivé au café. Bon, on va mettre la musique le droit parce que cette musique, je pense que YouTube a pas apprécié. Voilà, vous avez un petit café comme un petit Starbucks en plus grand que Brookhaven quand même. Ils ont fait mieux que Brookhaven, je trouve. Bref, qui écoute les idées, c'est moi qui leur avais demandé, ou peut-être que plusieurs personnes avaient demandé de faire un café comme un Starbucks à Brookhaven. Qui sont à l'écoute, on peut leur écrire hein. Ils t'écoutent. Si plusieurs personnes demandent, ils vont le faire. Pour Gavin, ils mettent un peu plus de temps et ils le font aussi, donc c'est bien. Vous avez un petit étage en haut. Ça rappelle que c'est pas moi qui zoom, c'est Roblox. Bon là, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. On va vous montrer les maisons. D'abord, c'est avec le pass aviation. Bah, je l'ai le pass aviation, donc voilà. Je vous la montre, la maison. Et vous avez vu qu'il y a un secret, mais après, je vais le voir tout à l'heure. Parce que là, je l'ai pas vu, en fait, quand je fais la vidéo. Juste. C'est bien calé, ouais, c'est bon. Là vous avez un petit ascenseur futuriste pour monter cette petite maison, cette petite chambre. Vous verrez, il y aura un autre cache-cache qui apparaîtra plus tard en vidéo. Là vous avez le petit véhicule. Là vous avez un petit jeu là-bas, mais vous étiez seul. Donc on va passer à la deuxième partie. On monte encore sur le petit jeu. Tout d'abord, vite fait. Hein. Vous voyez là vous avez des sortes de petites... Là exemple vous devez lever les obstacles qu'il y a par rapport au véhicule qui doit circuler sur la map. Voilà. Et ensuite, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.